dans les deux associations, dont celle de Saint-Cyr et celle de Pignac. Et je suis particulièrement heureuse aujourd'hui de pouvoir présenter ce gala, tout simplement parce qu'il me tient à cœur, et tout simplement aussi parce que depuis plus de 10 ans, 12 ou 13 ans je crois, fait partie de mes élèves. Et je suis très fière qu'elle ait réussi à voler ses propres ailes et d'avoir réussi enfin à faire ce qu'elle avait envie de faire depuis des années, c'est-à-dire enseigner et danser. Et donc je suis pas plus fière de ça. Et c'est la dame quatrième professeure de Zumba que je forme. Alors bien sûr, quand on est là, on en danse, mais voilà, on fera la différence. Et je lui souhaite bon courage parce qu'elle a repris derrière un peu de professeur qui était là depuis des années. Et ça n'a pas été facile. Et je l'en remercie. Et je pense qu'elle a gagné ce challenge. Et j'en suis encore une fois très très fière. Et je vais juste lui dire, et elle le sait, depuis des années, que je vais très fort et que je lui souhaite une longue carrière dans ce métier. Voilà. Ça fait beaucoup peur, je suis très heureuse pour elle et pour nous aussi également. Et un bon spectacle à jouer, vous allez voir, j'ai vu la répétition, c'est très prometteur, je vous laisse juger. Et je vous remercie beaucoup. Nous allons commencer avec une chorégraphie El Taxi, tous les groupes.